Macerastir, c'était un homme très très malin. Il a étudié la législation allemande. Il sait même quand les Allemands, les nazis font des choses méchantes, ils restent dans le cadre des lois. Il a découvert qu'une législation allemande disait dans les territoires occupés, quand tu as une école de dessin, les professeurs et les élèves ne doivent pas aller en Allemagne comme travailleurs forcés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un avocat, un notaire ici à Bruxelles qui a fait le cachet. C'est toujours une école de dessin. Et beaucoup des gens de la résistance ont été officiellement ici enregistrés comme peintres, comme professeurs ou comme élèves. Et quand on monte après, vous voyez encore une petite machine où la résistance a imprimé, des tracts contre les nazis.